ông quỳ chỗ. Ông chúng ta phải cầm to cái tầm ra cả nơi tìm đi sạm nàng cá hay nâng đào được cái chuẩn từ sạm nhà rồng ông trại chiết nằm bay mà to cá tăng sớm luôn đến đào chụp sạ xây. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'avancer. Il est possible, je préviens la Chambre, que je demande en fin de journée du temps supplémentaire demain. Monsieur le témoin, quand la prison comptait beaucoup de prisonniers, que se passait-il? Est-ce que Dutch décidait, prenait des mesures pour que la prison ne soit jamais pleine et puisse continuer à accueillir de nouveaux arrivants? Lorsque des prisonniers devaient être exécutés, est-ce que vous étiez chargé d'établir des listes de ces personnes qui devaient sortir pour être exécutées, écrasées, comme vous allez dire? D'accord, de qui émanaient ces annotations sur les listes qui permettaient de savoir quelles personnes devaient sortir des 21? Et qu'est-ce qu'il indiquait comme annotation? Qu'est-ce qu'il écrivait? Est-ce que c'était des mots précis qu'il utilisait, des signes? Comment saviez-vous que des gens devaient sortir ou être exécutés? Donc il disait, il écrivait cam ou cam tech. Il y a un passage de votre procès verbal d'audition E3-7643 que je voudrais lire. C'est en français la page 01-2-6-6-3-5. En anglais, c'est à la page 9. En khmer, c'est à la page 9 également. On vous pose la question suivante. Vous receviez les annotations de Dutch, mais que disait-il en général dans ses annotations? Vous avez répondu. Dutch écrivait dans ses annotations X, trois fois. Il mettait X, E, X, trois fois quand le prisonnier devait être exécuté. E, X signifiait exécuté. Quand tu sais,
D'accord, je crois que c'est une question de traduction qui n'a pas été très claire dans ce document-là. À propos justement de ces personnes dont Dutch disait qu'elles devaient être exécutées, est-ce qu'il y a eu, à certaines périodes, de très grands nombres de prisonniers qui sont sortis du S21 pour être exécutés? Est-ce que vous vous souvenez si Dutch a pris la décision lors de certains jours de faire exécuter des centaines de personnes? Et alors j'ai une liste très longue que je voudrais soumettre aux témoins, c'est la liste E3-8463. Est-ce que je peux remettre cette liste aux témoins? C'est une liste, monsieur le témoin, qui a été établie, on peut le voir à la toute dernière page, qui a été établie le 29 mai 1978. Le titre qui figure à la deuxième page est le suivant, liste de prisonniers écrasés le 27 mai 1978. En tout, c'est une liste qui comporte 582 noms, dont il est donc dit qu'ils ont été écrasés le 27 mai 1978. Parmi ces gens, il y a environ 400 personnes de la zone Est, notamment, si on prend les numéros 1 jusque 329, ce ne sont que des gens venant de la zone Est. Il y a également 25 personnes avec des noms vietnamiens qui se retrouvent au numéro 557 à 581. Alors, c'est une très longue liste. Est-ce que c'est une liste que vous reconnaissez? Est-ce que c'est une liste qu'on vous aurait ordonné d'écrire? ដែលគេសរុបវិញសរុបចំនួនអ្នកទោសមកពី២បុព្វាມັນនឹងជាប្រមាណថ្ងៃដើម្បីសរុបរួមទាំងអស់មិនមែនអាចយកទៅ៥០០ក្នុងមួយថ្ងៃទេការនេះតាំងដឹង Je m'en réfère au titre qui s'appelle donc liste de prisonniers écrasés le 27 mai 1978. Semble indiquer que toutes ces personnes ont été exécutées le même jour, aux environs du même jour. Est-ce que vous vous souvenez d'épisodes comme celui-là où des centaines de personnes ont quitté S21
que vous avez dû procéder aux vérifications concernant toutes ces personnes en un seul jour. Est-ce que cela vous rappelle un événement ou non? Alors là, je pense qu'il y a un problème de traduction parce que vous nous dites des gens amenés à des périodes différentes. Effectivement, les dates d'entrée sur cette liste montrent que ces personnes sont venues à des dates différentes. Beaucoup en avril et en mai 78, d'autres à des dates plus anciennes. Par contre, le titre, alors, sur la page de garde, il effectivement dit liste des prisonniers sortis en mai 1978. Mais sur la deuxième page, le titre est liste des prisonniers écrasés le 27 mai 1978. Je remarque pour être tout à fait honnête qu'il y a dans cette liste, à partir du numéro 526. Can we always rise before there is a question. Lúc ngớp cho môn pe tăng sầm nô mấy thứ cục pe bát là khi ngớp cho bẹp nết đây xa cả sòn mọt nè chỉ bị sa ông lế cứ miền bình chi riệp chom bẩn to mùi chỉ bẩn to cái hồ hai rồi hốt đòn chieng pram rồi nè anh nó bà mờ tàu phía xa mãi cứ mờ tàu khóc nơi dạng dạng chứa ra dạng bị tùm rung tăng bị chùm nuôn hạt được cho nên anh tập nhóm ngợp cho môn phê tăng xùm nụ bạp ni vì bố rô tàm ai cả xa khám ai cứ ai cả xa ở bầy before we continue. La traduction en anglais est assez claire. Il y a, je crois bien, dont les numéros se suivent. Et c'est cela qu'on retrouve sur la version en anglais. Il y a une liste qui part du numéro 1 jusqu'au numéro 582. Je voulais juste faire remarquer à la Chambre qu'à partir du numéro 526, il y a des gens qui sont entrés à 21 le 28 mai 1978. Et qu'à la toute dernière page, après le numéro 582, on dit que la liste a été faite le 29 mai 1978. I do apologize, Mr. President, but I would urge the parties in the chamber to just have a look at the version of E-Translation. Not a continuous list from 582. Il est possible effectivement qu'il y a que cette traduction ne soit pas tout à fait fidèle alors. En tout cas, tout cela est rassemblé sous un titre qui est écrit en khmer. Est-ce que je peux poser une question sur la première page, la page de garde? C'est écrit en khmer, monsieur le témoin, si vous pouvez vous rapporter la toute première page du document. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'écriture que vous voyez là? La page précédente, voilà, celle-là. L'écriture, est-ce que vous reconnaissez cette écriture? Mượt khinh là sao hông?
tại khi xung mình chia đời khơi bên này là mình chia ở việc chung là cả tổ không ca thứ độ chính nom ni tới trong mà ngày 500 nè tới ở đu chi bu bu còn là dương ni có tới ở cả đây mình chi nó bằng gì và khi xung sanh thán mình chi sao trong giờ bị trộn mà trong cục nó D'accord, donc si je comprends bien votre témoignage, ce serait une liste consolidée de personnes sorties des 21 au mois de mai 1978. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Khai pram chap tang ngai 27 tau mneng hai yum mneng ngam nat da ngai na ni men do srob ruom mneng oh mo d'accord est-ce que vous avez assisté à l'arrivée massive de prisonniers en un seul jour? Est-ce que, à un moment donné, vous avez vu arriver plus de 100 personnes à la fois à S21? Et comment deviez-vous procéder alors avec ces grands groupes? Parce que normalement, vous deviez établir une biographie, poser des questions à chaque personne. Est-ce que lorsqu'il y avait 100 personnes en plus, vous deviez changer votre procédure, vous procédez différemment? I object to this question, Mr. President. It's, all the questions are based upon the English translation, so it seems, which indeed speaks of one continuous list, but the ground that is just a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of The witness is now talking about. Maybe he only talks about the first page of the CDC. All the subsequent documents in Khmer have anything to do with the first page. But the basis completely unfounded. Je crois que mon confrère Copé devrait écouter ce qui se passe dans la salle d'audience. Je suis passé à un autre sujet. Je parlais maintenant d'entrée massive à S21 et non plus de sortie. Je peux continuer sans être interrompu. Je voudrais poser la question de savoir comment le témoin faisait pour enregistrer les gens qui arrivaient par groupe de 100 ou plus à S21. Est-ce qu'il pouvait procéder de la façon ordinaire? Prendre les biographies de chacun l'un après l'autre ou bien a-t-il dû adapter sa procédure d'enregistrement pour ces grands groupes d'arrivée de prisonniers arrivant à S21? Voilà ma question. Qui m'en a dit en tant que tout m'en a dit en tant que tout m'en a dit en tant que Donc
Oui, mais là, je parlais justement, vous avez confirmé tout à l'heure qu'il y a eu quelques fois de grands groupes de prisonniers, vous avez dit, notamment des gens venant de la zone Est qui étaient arrivés dans des groupes de plus de 100 personnes, de, avec 300 personnes. Est-ce que là, vous aviez le temps de prendre les biographies dans votre bureau ou bien vous procédiez autrement? អ្នកទោះទាំងអស់នោះក្នុងពេលតែមួយមកច្រើនអញ្ចឹងឬក៏លោកមានវិធីធ្វើការរបស់លោកផ្សេងពីអ្វីដែលលោកអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងដល់ថ្នាក់ទូមកច្រើនអញ្ចឹងយើងកត់ពីអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងហើយការបោះរុកនឹងវាខ្លីវាអត់មានច្រើនដូចពីសួយច្រើនទេតែមនុស្សខ្ញុំវាអត់មានបញ្ហាអីហ៊ូអ្នកទោះវាចូល 30 ce que vous avez dit à l'audience du 27 juillet 2009 E3-74-65 à 15h10. Vous avez dit ceci, vers la fin, lorsqu'on nous a amené de grands groupes de prisonniers, les prisonniers n'étaient pas amenés à l'endroit où l'on prenait normalement la photo. On les mettait dans le centre de détention et j'allais sur place établir la liste directement. Et je ne faisais que prendre leur nom. Pour ce qui est des photos, je ne suis pas sûr. Fin de citation. Donc, vous est-il arrivé, au lieu de recevoir tout le monde dans votre bureau, d'aller plutôt dans le centre de détention pour établir une liste sommaire des nouveaux arrivants? Alors, à l'attention de mon confrère Coppe, je précise concernant le document précédent E3-84-63 que la liste de 582 personnes n'est qu'une partie du document en khmer. Et donc en khmer, j'aurais peut-être dû donner les IRN, on trouve cette partie-là à 000-1-6-0-3-9-7-4. Et donc en anglais c'est 01-03-25-09-07-3-6. Voilà, donc c'était uniquement cette partie-là que j'ai remis au témoin, et sachant qu'il y a effectivement d'autres parties au document qui ne sont pas continues. Voilà, je continue alors avec mes questions. Comment faisiez-vous donc pour établir les biographies des prisonniers entrants? Est-ce que vous aviez un modèle, des feuilles pré-imprimées qui vous permettaient d'aller vite en posant vos questions? ចំពោះប្រវត្តិរូបគឺខ្ញុំមានឯកសារព្រីនហើយស្រាប់ហើយគាត់យើងបញ្ចុះបន្ថែមចូលក្នុងហ្នឹងតែចេះចេះចើមវាគ្រប់អស់ហើយយើងអត់មានសរសេរនេះគេពួកយើងព្រីនមកជាกระดาษហើយស្រាប់ហើយ
Monsieur le Président, je voudrais remettre trois biographies. E3-3466, tout d'abord, une biographie de détenu, le dénommé BAK, B-A-K, KNA, K-H-N-A. La deuxième est E3-1533. Qui est la biographie de Pal, P-H-A-L, Va, Agas, Nat. La troisième, E3-1532, qui est une autre biographie de détenu appelée Ung Sok, U-N-G ou bien I-N-G, Sok, S-O-K. Voilà, avec votre autorisation, Monsieur le Président. Alors, on commence par la première, Monsieur le témoin, E3-3466, celle qui concerne BAK ou PAK KNA, alias Kim, de l'hôpital B17. Elle est datée du 3 février, la date d'arrestation est du 3 février 1978. Il y a deux photos sur cette biographie, une de face et une de profil. Alors, s'agit-il d'un modèle de biographie que vous utilisiez à S21 tout d'abord? En quoi est-ce que les mentions qui figurent sur cette biographie différaient de celles que vous utilisez? Est-ce qu'il est arrivé que pour certaines biographies, après avoir complété les parties vides à la main, un dactylographe retape cela à la machine? D'accord, alors regardez uniquement les mentions
1 à 12 sans tenir compte de l'identité de la personne, de ce qui a été rempli par la suite. Est-ce que les mentions qui figurent là et le format correspondent au bibliographie que vous-même établissiez à 21, mis à part le fait que vous écriviez à la main et qu'ici, c'est dactylographique. Anh bị đuôi đuôi nhưng lại một nhưng thương chẳng là vừa qua đã đủ. Alors je vais vous demander de tourner alors que nous sommes à l'op mơ và trục pi tiết cứ chỉ và trục bọc đại bộ phận pi nè cứ sok hay năng Palva Hau en provenance de Hong Kong, membre du comité de commerce d'État à Hong Kong. Les biographies datent des 29 et 30 décembre 1968. Alors, il s'agit d'un couple de personnes assez hautes dans la hiérarchie qui venaient de Hong Kong, entrée fin décembre 1978. Est-ce que vous vous souvenez de Ing Sok et Pal Va en provenance de Hong Kong? ចំពោះបញ្ហាអ្នកទោសនេះគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកណាមកពីណាទូនាទីអីដូច្នេះការចងចាំរបស់ខ្ញុំចំពោះទូនាទីអ្នកទោសមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បានចំពោះរឿងការងារដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃយើងធ្វើមិនអត់ទៅហើយតាំងពីវេលាតែចំពោះការចាប់អារម្មណ៍មកពីណាពីណីមិនសូវចាប់អារម្មណ៍បាន Vous avez dit que votre tâche générale était d'enregistrer les prisonniers et les enfants. Thom ấy chưa đam hay là cổ mài nó ta rụp lục to nó lục thơ tai và vật rụp lục ta lục men thơ vật rụp và nẹt tô thom thom hay là cổ mà đại rư tế kim cu nẹt tô thom thom khi khi mà bàn được thừa tí còn Can nom chôn mà có mình trông cắt cái lạnh chôn đó thì đặt trong cái lạnh cục xe mà. Thế nhưng bố của má có bàn phư vọt đúng đây.
Concernant les prisonniers importants, j'ai cru comprendre tout à l'heure ce matin que vous avez dit que bah, vous avez été au courant de leur nom, à partir du moment où ils ont été transférés à l'intérieur de l'enceinte. C'est-à-dire que la prison spéciale a été transférée de l'extérieur vers l'intérieur de la prison vers le bâtiment A. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? ហើយនៅពេលហ្នឹងឯងបានលោកចាប់ដើមស្គាល់ឈ្មោះគាត់ខ្លះនោះអញ្ចឹងមែនទេចំពោះអ្នកទូសធំធំគឺកម្រខ្ញុំបានជួបបើបានបើសិនជាថ្នាក់ថ្នាក់កងពលភូមិភាគទៅគឺកម្រគេឲ្យខ្ញុំដឹងណាតែបើពូគេថ្នាក់លើគេដឹងហើយរបស់គេហើយហើយចំពោះដែលអ្នកទូដែលចូលមកក្នុងគុកពិសេសគុកពិសេសយំចូលក្នុងទៀតក៏ខ្ញុំអត់គេអត់មានឆ្លងកាត់កន្លែងខ្ញុំដែរព្រោះគឺគេដឹងពីអ្នកធំគេដឹងរបស់គេមិនតែគ្រាន់តែយើងអត់បានទៅធ្វើប្រវត្តិរូបវត្តអីទេប៉ុន្តែមានឈ្មោះដែលហោគេប្រាប់ថាដាក់ឈ្មោះហងចូលក្នុងថ្ងៃនេះនេះប៉ុណ្ណឹងអង្គសិកVous dites que parfois, Hor vous demande de consigner certains noms importants sur vos listes. Est-ce que vous le faisiez systématiquement? Est-ce que vous avez des raisons de penser que certains noms de prisonniers importants n'ont jamais été consignés par vous sur vos listes? Dans le nom de prisonniers importants, il n'y a pas de nom de prisonniers importants.ចំពោះបញ្ជីអ្នកទូធំធំនៅក្នុងបញ្ជីខ្ញុំគឺមិនសូវមានប្រមាណទេព្រោះគេខាងលើគេដឹងហើយដូច្នេះគេឲ្យដឹងតែអ្នកទូដែលដូចថាយើងមិនដឹងដូចថានៅភូមិភាគផ្សេងឬភូមិភាគដែលផ្សេងផ្សេងនោះគឺឲ្យយើងចាប់ពីកងពលទៅយើងកម្របានសូវដឹងណាយើងដឹងទៅវិរៈសនាធំមកនឹងដឹងមិនតែបើវិរៈសនាធំនៅក្នុងជួរដូចថាកងពលរួច3ទៀតដែលជាកន្លែងរបស់ដែលនិកិតស្និទ្ធនឹងអ្នកធ្វើការហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យដឹងដែរសសិតDonc là, on parle de l'enregistrement. Est-ce qu'il en était de même au niveau de l'exécution de ces personnes? Est-ce qu'on vous communiquait les noms de ces personnes lorsqu'elles étaient exécutées? Vous ne les voyez pas. Et peut-être pour être concret, est-ce que vous n'avez jamais vu le nom de l'administré Hoïsraï, pardon, le nom de Koïtoun, le nom de Ta'nat?កុយធួនឬក៏តាណាតនៅលើបញ្ជីដែលលោកធ្វើនោះទេតែអញ្ចឹងមែនទេនេះជាការពិតនេះគឺពិតប្រកបហើយព្រោះឈ្មោះអ្នកទូធំធំដូចហោគេរៀបការជូនទៅដូចគេដឹងអស់ហើយគេមិនសូវយល់វល់មួយយើងបានDonc vous nous avez dit aussi que parmi les prisonniers dont vous ne connaissez pas, n'enregistriez pas les noms, vous ne connaissez pas les biographies, il y avait des enfants. Est-ce que, quand vous faites référence aux enfants ici, vous parlez des enfants qui accompagnaient leurs parents?ខ្ញុំចង់និយាយអំពីកុមារដែលមកជាមួយឪពុកម្ដាយជីតែម្ដងឯ selon vos instructions à partir de quel âge les personnes qui étaient arrêtées étaient plus considérées comme des enfants
ចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅដល់គេមិនចាត់ទុកថាជាកុមារទៀតទេអញ្ចឹងគេចោះឈ្មោះអ្នកទោសហ្នឹងតាមការណែនាំផ្ដាល់មកលោកនោះអាចកំណត់អាយុបានទេគឺការដែលយើងកំណត់ច្រើនចាប់ពីអាយុ15ចុះទៅមិនសូវជាគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ឬទេ Est-ce qu'il y a parfois eu des exceptions? Ta min ka nai rek lek leng dai rue te dai ta pe kla lok ka nai kla nang ke lok ko trou choh chmuh khmeing dai min ayu kram 15 chnam ne leu banchi lok dai. Rueng ni ka khnyom cham ve mon chbas dai khnom chi nang. Vi chne ve mon aich san than ban chbas loh. ចំពោះក្មេងតែមួយប្រមាណអីប្រមាណពិតប្រាកដព្រោះការធ្វើជីនេះវាមិនដែលខ្ញុំមិនតាំងខ្ញុំដឹងវាច្រើនថាកូនក្មេងដែលមកជាមួយពុកម្ដាយគឺមិនសូវចោះចោះសូមរំលឹកសាក់សីបច្ចៈឡើងវិញសាក់សីមិនក៏បីប្រើពាក្យ តាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកទេសាក់សីមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេតាមបទពិសោធន៍ឬក៏តាមការសង្កត់សង្កល់ឬក៏សង្កេតរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅទីនោះនោះជាមូលដ្ឋានក្នុងការឆ្លើយតបហើយបញ្ហាទី2ប្រើពាក្យមិនត្រូវហ្នឹងគឺមិនច្បាស់លាស់ទេបាទន័យថាពាក្យមិនត្រូវឬពាក្យកម្រហ្នឹងបាទន័យថាមានករណីពិសេសផ្សេងទៀតដែលនឹងអាចទៅធ្វើប្រវត្តិរូបហើយបើសិនជាមានករណីដូចនេះគឺត្រូវឆ្លើយបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ ពុំរុញនោះទេគឺមាននឹងអាចមានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការសក្នុងសក្កិកម្មរបស់លោកក្នុងការផ្ដល់សក្កិកម្មនៃពុំមុខអង្គជំរះលោកយល់ទេបើសិនពាក្យមិនត្រូវឬក៏ពាក្យកម្រមានន័យថាករណីពិសេសណាមួយដែលមានការធ្វើវត្តរុកដែរឬទេ លោកអាចឆ្លើយបានទេ ចំពោះករណីកម្រ គឺខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះបញ្ហាធ្វើវត្តរូបនេះជួនកាលក្មេងខ្ញុំបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអត់បានធ្វើសុខក្មេងៗដែលមកជាមួយពុកម្ដាយ Alors, je voudrais venir maintenant à une autre situation, c'est le cas d'enfants qui arrivaient non accompagnés de leurs parents. Est-ce que c'est arrivé? Et dans ce cas-là, pourquoi arrivaient-ils au centre et deviez-vous les enregistrer? Parce qu'ils n'arrivaient pas avec leurs parents, ils arrivaient tout seuls. ចំពោះក្មេងដែលមកអត់ពុកម្ដាយការងារអត់ទាំងនេះគឺខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយមិនដឹងជាបានចុះឬក៏មិនបានចុះដូច្នេះកន្លងមកគឺខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ព្រោះដល់វាយូរឆ្នាំពេកវាភ្លេចអស់រឿងការចុះជីក្មេងៗ Nous avons dossier une liste combinée de prisonniers de S21 qui a été déposée par le bureau et qui mentionne les sources. Et si on fait on filtre cette liste, on constate qu'il y a au moins 67 prisonniers qui avaient 14 ans ou moins. Et je vais me concentrer simplement sur quelques
hay khiom som pdao te le koma koma ayu tek chnang ke tha mien ayu 7 chnam mien 4 ne 566 nau lech rieng 1566 hay nang lech 623 donc 12623 hay nang 12623 hay nang lech rieng 14820 hay mien c'est une petite fille de 6 ans meing mnea tiet at ayu 6 chnam chmuh hun nin identifié comme étant la fille de frère tie kon robos bong entrée à 21 le 18 décembre 1978 khai nou chnam 1978 hay jeung lech rieng kwat je lech rieng 14923 dae tveu doy saha cha kram sanket. Vous vous souvenez de tel cas d'enfant de moins de 6 ans, de moins de 10 ans, ta lok mien chup teah ka nai khmeing dae mien ayu kraom 10 chnam nang 7 chnam 6 chnam ei chang do chmuh hun nen ni dae che kon bong ti 10 ne bong lok nak khoeng de ka nai os nang. Cái này ở đây này cứ khi mình ai chọn chăm bàn này vô về du duyên nào hay. Mình nâng dịp bàn cho được một bàn cho ca chọn chăm sự bàn vật bạc có thể vô về du bê cho je vais encore essayer avec un autre cas très concret, c'est mien ka nai muoy tiet chea lek chnang ke tha mien khmeing mneak knong chnang khmeing de phseing tiet ayu 7 chnam keu chmuh ING ou bien trang TROENG yang trang yang ING ou YAING fak FAK yang qui se trouve à la liste E3 chmuh khmeing nang te da yu to 7 chnam chmuh trang yang fak da skwal chmuh nang te lok cham ka nai nang ni khmeing nang ayu 5 chnam te 7 chnam ba chmpu doy khim ban mencheak chang ke ka chong cham ke mon sau ban chbah te pi pu vi yu pek ke chne ka chong cham bo khnyom ke ai chăm ban là hốt chút đó là lâu như thế. Lorsque des femmes arrivaient à 21 et étaient accompagnées de jeunes enfants, suivaient leur sort ou bien étaient extraits de leur maman. Khi admin toàn đọ tranh trí thì con cà phê cái vô chỗ cái nóng
hay ban ke min vichin ka ai a nang chlach te lu kong ka pi da ho che ne banchi do ngai na sae che ki no nyum ot ban dang pet prakot te no Est-ce que les enfants qui étaient emmenés pour être exécutés à Aix-Martel étaient en même temps que leurs parents? Thank you. Thank you, Mr. President. I object to this question. I have an opportunity to quickly glance at the LCIJ list. Implying the question that this particular Vietnamese child was executed as a child too fast. And if we are working under the illusion that at least the defense should be in a possibility to verify whatever the prosecution is saying in relation to this specific situation. And I think we should have the underlying document first, and then we should be able to have a look at it. And then we should be able to comment on it. Now we just rush from this OCIJ list to assume that whatever pre-work preparation prosecution has done is accurate. But if that is the operation that the way of proceedings, then we are under an illusion. Monsieur le Président, je pensais là encore être passé à un autre sujet, une question tout à fait générale concernant l'exécution des enfants. Je ne parlais pas de cet enfant vietnamien, en particulier dans cette Vietnam. Question. Tout à l'heure, le témoin a dit que les gens, une fois rentrés à l'intérieur, ne ressortissaient, ne ressortissaient pas vivants, ils ont été exécutés. Ou alors ils mouraient de maladie. Donc ma question était de savoir, lorsque les enfants sortaient des 21 ans pour être exécutés, est-ce qu'ils étaient sortis en même temps de leurs parents? Est-ce qu'ils étaient sortis en même temps de leurs parents? Est-ce qu'ils étaient sortis en même temps de leurs parents? Alors voilà ce que vous avez dit le 28 juillet 1998, c'est un peu plus précis. C'est le document E3-7-4-6-6 vers 10h05-10h06. Je ne suis pas, vous avez dit ceci, je ne suis pas sûr de la période pendant laquelle les enfants ont été détenus, emmenés et tués. C'est Hor qui donnait les instructions à Peng afin de les emmener. Question, est-ce que les enfants étaient mis dans le camion et partaient le soir en portant des adultes au site d'exécution? Votre réponse, non. Il n'y avait pas d'enfants qui étaient emmenés en même temps que des adultes. Question, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on les tuait à proximité de S21? Réponse, sur ce point, je ne suis pas entièrement sûr, car on n'établissait pas de liste pour cela. Je ne suis pas sûr que nous avons fait un petit peu de temps. Pourquoi
Chẳng, les enfants n'étaient-ils pas emmenés dans les mêmes camions que leurs parents? Đặt đặt làn chỉ mua cái này chỉ mua nào cũng mà đại kê tàu. Anh ấy chụp bùa sầm nuôi lấy ra chụp bùa khmer khmer là cái mình đặt chỉ mua tàu lấy anh ấy. Cả dù khi bỏ khố thì chẳng thà cũng ở vì miền bay ca sẽ nhẹ nhảy gì đó vì ở vì con cả phía vô chân anh ấy từ tam còn nói phía là thì vô trong vô chân người nó sẽ cho kỳ Est-ce que vous savez si en général les enfants étaient retirés de S21 pour être exécutés avant leurs parents ou après? Yo tau somlap mun puok madai robas puok ke ru ko kraoy. Chăm pua mình là dột tranh cứ bỏ tam nhầm đăng tràn vô môn cả đỏ là bỏ vùng đài il me reste 5 minutes aujourd'hui aborder ខ្ញុំសូមជូនយើងពីប្រធានបទមួយទៀតតទៅទៅនឹងបញ្ជីអ្នកតោះដែលចូលមកឬក៏អ្នកតោះដែលគេទទួលនៅក្នុងទី21នៅក្នុង2009នៅក្នុងសវនកម្មលោកបាននិយាយពីកំណត់ទៅពីបញ្ជីមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំនួនដែរខ្ញុំហៅជូនលោកឥឡូវមានបញ្ជី2ខ្ញុំហៅគឺឯកសារ E3/2020qui est une liste datée du 6 janvier 1978. Alors, je mentionne également que figure sur ces deux listes le nom de Thi en bas de chacun de ces documents. Le premier peut 3/20/20 en Khmer. Donc elle est datée du 6 janvier 1978. សួរលោកថាតើនឹងជាបញ្ជីដែលលោកធ្វើនៅពេលដែលពួកអ្នកទោសទាំងអស់នឹងចូលមកទីស21ឬក៏យ៉ាងណាចំពោះបញ្ជីនេះគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែរឿងអ្នកទទួលនេះគឺគ្រាន់តែគេថាមកដល់ពីតកងការពារពីមកពីបុគ្គលអ្នកទោះទៅជួនកាលខ្ញុំ
say đã chung một nhóm để tua lời bàn tay bàn tam bứt nhẹ tua được on cứ nước hàng con hàng cà phê cái rái kia nhẹ để tua cho tua màu chấm nu chấm ba đài con bị xe con huy bà hãy xem là ca nơi thằng này đi đào biển chụp tấm rạch hay ở bậc cao cái chân là ca xem là ca tấm rạch ngang đi tấm biết xem là ca lực tuần to tập phơi nơi này sẽ ấy thằng này sốc tị bay khai mi tuần này nằm bị bọn nó bấm mũi đang được chập đang bị mò bấm một bực hãy xem là ca nơi thằng này sẽ ấy nếu ông chụp ra nông thôn xem là ca bọn to sắp được khai cam xã tây xu thì xong bị kí chìm đang chơi chơi rôm tam về với liên ban cầm nọt đi ông chụp ra ở quân lục xã xây xem là ca sắp được khai cam bọn lục nông thôn lại chưa xã xây nên mình toàn chọn lời tí ông nhầm đẹp còn chơi lúc mà mình to đọc được khai cam ngày dài tiết hay ông nhầm đẹp có sống ở quân lục ở mường giờ vẫn bây giờ bị bực xa xả thấy ông nhầm đẹp còn chơi lúc mà mình to đọc được khai cam một mình to cho ruộm được một lòng quyết xả thấy đúng đi đọc khai cam được ngày dài tiết này chơi thập địa nhà rồng anh tự chết cho mình chứ Oui, merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je crois que nous souhaiterions pouvoir poser davantage de questions à Monsieur le Témoin que le temps qui nous était imparti, c'est-à-dire que normalement, nous devrions finir demain à 10h10. Mais j'ai encore plusieurs sujets à couvrir. J'avance, mais lentement, malheureusement. Et donc, mes collègues et aussi les participants ont pas mal de questions à poser environ 40 minutes. Voilà, je demande si c'est possible de nous accorder ensemble une session supplémentaire. Donc, le même temps devrait être accordé alors à la défense, bien entendu. Je sais que c'est une demande un peu exceptionnelle, il me reste beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de documents impliqués lors de cette audience. Ça prend du temps de les lire, de les parcourir avec le témoin. Et il y a également un sujet important, celui des Vietnamiens, que je voudrais pouvoir traiter sans couper court à deux trois quarts de mes questions. Voilà, je fais cette demande aujourd'hui pour ne pas surprendre la Chambre demain. Et j'espère que vous pourrez accéder à cette demande. If I may respond, Mr. President, I'd like to remind the Chamber that when one of the previous witnesses, Prak Khan, was being questioned by the defense, we asked for additional time. That was denied. We have now filed a question to recall Prak Khan. We have now filed a question to recall Prak Khan. We have now filed a question to recall Prak Khan. The objections that I had that might have slowed down the prosecution, I believe were justified and probably really shouldn't be a question. We have now filed a question to recall Prak Khan. We have now filed a question to recall Prak Khan. Is asking. So, if you grant this request now, I'm sure you will be very positive to our request to recall Mr. Prak Khan. Si je peux répondre, Monsieur le Président, il s'agit d'une situation complètement différente. Concernant le témoin Prak Khan, la demande est intervenue. Très tard, alors que nous avions terminé notre interrogatoire depuis longtemps en nous efforçant de nous limiter au temps qui nous avait été accordé par la Chambre, et c'est une demi-heure avant la fin de l'interrogatoire de la Défense, ou une heure avant, une demande de trois sessions supplémentaires a été émise, sans pour autant que la Défense considère utile de donner le même temps au parquet. Ici, nous demandons cela bien à l'avance et nous demandons également que le même temps soit accordé à la défense. Les circonstances sont différentes, il y a ici beaucoup plus de documents à montrer aux témoins que à M. Prak Khan. Oui, Monsieur le Président, je suis Prak Khan.
បាទអរគុណដែលបញ្ហាសំណើនេះសំណើរបស់សាស្ត្រវិញ្ញារងអន្តរជាតិក្នុងការសូមបន្ថែមពីវេលាសម្រាប់សួរសាក់សីរូបនេះមួយវគ្គនៅថ្ងៃសប្តាហ៍បន្ថែមនោះអង្គចម្រាស់នឹងពិនិត្យពិចារណាសម្រាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយភាគីតំណងជាអាចទទួលព័ត៌មានតាមដំណឹងនៃការសម្រេចនេះតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់មន្ត្រីច្បាប់ចុងខ្ពស់របស់អង្គចម្រាស់រដ្ឋដំបងដែលឡាយសំណើសុំរបស់សហមេធាវីការពីក្រៃនួនជាដែលបានស្នើសុំឲ្យអង្គចម្រា
ដំណាក់ការនៃអង្គចម្រាស់កំពុងតែពិនិត្យពិចារណាដោយអង្គចម្រាស់កំពុងតែដំណើរការស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរអញ្ចឹងអង្គចម្រាស់នឹងចេញទៅសម្រេចលើបញ្ហានេះក្នុងឡុងពេលសំត្របឆាប់ៗខាងមុខនេះមកឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យនៅបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកពីសាក់សីនឹងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីសួរធីបើត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកបន្តផ្ដល់សេច
មន្ត្រីគុំខាំងនៃអវតកបញ្ចុះនៅបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ